Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat. Amram Yona ben Chana Pigi bat Esther, Nissim ben Abouda et aussi le Fouat Efrat, Mayan, bat Léa, Betor, Chakro, l'Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Avoda Zara, Perek Alef, Mishnah Zain. Ein Mochrin Lahem, Dubim, Va Arayot. Vechol Dabar, Sheyeshbo, Nezek, Larabim. Ein Bonin, Imahem, Basilki, Gardom. Vitstadia ou Bima. Aval bonim imahem bimosia hot ou bet marchetza hot. Egula kipa shema midin ba avodazara asur livnot. On continue donc depuis la Mishnahé à parler des choses que l'on ne peut pas vendre au goïm. On a dans la Mishnahé, on avait parlé de problèmes d'objets qui servaient à la avodazara. Dans la Mishnah Vav, on avait parlé d'un problème des Hot Shabbat, de ne pas leur vendre des animaux, et Xéra de peur par rapport aux animaux qu'on peut leur louer. Et puis maintenant, dans la Mishnah Zayin, on touche à un autre problème, au problème des Nézikin. Ils ne sont pas assez responsables de leurs actes, l'égoïme, ils n'ont pas la crainte d'Hachem, c'est normal. En tout cas, donc, En Mochrim Lahem Dubim Va'arayot. On n'a pas le droit de leur vendre des Dubim, des ours, Va'arayot, des bêtes féroces. Arayot, le mot Arayot, ça désigne toutes les bêtes féroces en général. Mais particulièrement, c'est le mot arié au public, au pluriel, va faire arayot. Arié, le lion, d'accord? Donc, toutes sortes. Donc, vechol davar sheyesh bo nezek lerabim, ou toutes sortes d'animal où il y a en eux un danger public, nezek lerabim, un danger, un risque de dommage au public. Soit, étant donné que le goy n'est pas responsable de son acte, lui pour lui, il va se dire, moi, si je fais attention à être un bon citoyen, c'est pas grave si mon chien il va partir dévorer le voisin. Donc de ce fait, puisqu'il va négliger cela, on n'a pas le droit de lui vendre a priori des animaux qui sont dangereux. Ok. Deuxième sujet de la Mishnah. En bonin imahem basilki gardom ve istadia. On n'a pas le droit de construire avec eux. Alors il y a un petit problème dans la Mishnah, c'est que basilki, gardom et bima, et on saute le mot istadia pour le moment, ce sont trois choses qui désignent en fait des sortes d'estrades où on jugeait, où les goïms jugent et où les goïms exécutent. Chacun indépendamment, on va les expliquer. Basilki, d'abord, le Barthénois rapporte, c'était une sorte d'estrade très haute où là-bas les juges étaient assis. Ils appelaient là-bas le condamné, l'accusé, ils le jugeaient et puis s'ils décidaient qu'il fallait le condamner à mort, eh ben, on le poussait et il tombait. Vous allez me dire, bon, d'abord, on finit d'abord d'expliquer les trois. Gardom, alors en hébreu moderne, gardom, on traduit ça par la potence. Mais c'est faux. Ici, dans la Mishnah en tout cas, c'est pas expliqué comme ça. Je sais pas d'où l'ami Ben Yehuda il a sorti son explication du mot gardom. Ici, en tout cas, les Mefarshim expliquent tous que le gardom, c'est une sorte de nouveau d'estrade où les juges s'assoient pour juger. Et aussi, Bima, c'est aussi le même principe. Migdal Katsar Vegavoa, il explique une petite Bima, une petite estrade, une petite... Ou là-bas, aussi... et là-bas, c'est spécifique pour exécuter. Donc on a trois sujets qui touchent A, au jugement et exécution des goïm, pendant qu'ils jugent. Et itstadia, c'est comme un stade, c'est importé du latin. Itstadia, c'est un stade, et qu'est-ce qu'on fait dans un stade? À l'époque, ils faisaient pas du sport, ils faisaient de la corrida. La corrida, bon, le problème de Tzara Valechaim, c'est pas un grave problème en soi-même, mais il y a surtout le problème que de voir, c'est le torero qui se fait tuer. De ce fait, il les apportait comme ça et il s'amusait à faire courir. Apparemment, c'était un peu plus sadique. C'est qu'il s'amusait à jeter quelqu'un et à le faire, poursuivre par des bêtes féroces jusqu'à qu'il réussisse à l'atteindre. En tout cas, donc, on n'a pas le droit de les aider à construire une telle chose. On explique un petit peu mieux maintenant. Bien sûr, on a déjà rapporté qu'on a un interdit de l'ifnei vers l'otite de mirchol. On n'a pas le droit de pousser un goy à transgresser une des mitzvot qu'il doit accomplir. Selon ce principe, on avait appris qu'on ne pouvait pas, dans le Mishnah, par exemple, on ne pouvait pas l'aider à faire de la Vodazara en construisant une maison de la Vodazara, et ainsi de suite. Et maintenant, on apprend dans notre Mishnah que puisqu'il est metsouvé à la dinim, il doit surveiller, ne pas causer des dommages. Alors, ça implique deux choses. D'abord, on ne doit pas le stimuler à causer des dommages. Il y a en cela un danger public. Entre parenthèses, le partenaire ajoute qu'on n'a pas le droit non plus de vendre des armes à un goy, selon le même principe. Toutes sortes d'armes ou de charavot, des épées, des romachim, des lances. On n'a pas le droit de lui vendre. Et maintenant,
dans notre Mishnah, il y a ici deux sujets distincts. On va d'abord les distinguer. D'abord, Itstadia, donc le stade, c'est le... J'ai oublié comment ça s'appelle là-bas, le... En Espagne, là-bas, ça existe encore. On fait là-bas des... une arène de corrida. On n'a pas le droit de leur construire ça, parce que là-bas, c'est vraiment pour... C'est sadique, c'est pour tuer des hommes. Chez l'Okadine, ils ne doivent pas être tués. Maintenant, on a le Basile qui garde homme et Bima, ça tourne autour du même principe. C'est le jugement et l'exécution concrète du goy, du condamné. On a un problème technique, c'est que le goy, il a une mitzvah de juger. Puisqu'il a une mitzvah de juger, pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de l'aider à juger en lui construisant une estrade dans laquelle il va pouvoir faire tuer quelqu'un? D'accord? C'est-à-dire, si le goy, et en réalité, comme ça les Mefarchim m'expliquent, que si le goy jugeait comme il faut, et qu'il condamnait à mort ceux qui doivent être condamnés, et ne condamnait pas ceux qui ne devraient pas être condamnés, alors il y aurait une grande mitzvah de l'aide à construire justement ces estrades et ces tribunaux et toutes sortes de potences ou d'exécutions, de lui rendre possible l'exécution. Le problème c'est que souvent ils vont juger pas comme il se doit, ils vont se mettre à juger donc avec des preuves qui ne sont pas assez fondées, des fois ils vont recevoir des pots de vin pour condamner quelqu'un qui n'était pas condamnable, puisque c'est leur manière de jurer. « Asher pihem diber shav viminam yamin shaker » le passage qui dit « Leur bouche et parle, shav des paroles vaines, et leur main droite, la main droite avec laquelle on juge, viminam yamin shaker » c'est une main droite de mensonge. Ils mentent comme ils respirent, ils ne sont pas du tout crédibles dans leur jugement, de ce fait on ne peut pas les aider à faire des exécutions. Et à part ça, un autre problème technique aussi, c'est que parfois ils vont se mettre à juger un juif. Et s'ils doivent juger un juif, eh ben ils ne peuvent pas juger un juif d'abord, parce qu'on ne peut pas se faire juger chez un goy. Lorsqu'on se jugeait, le goy lui, il juge avec un seul juge, un seul témoin. Nous, il faut nécessairement 23 juges, 2 témoins. Donc le goy ne peut pas juger le juif. De ce fait, c'est encore une autre raison qui est rapportée encore. Même si le goy va être très honnête, il va juger comme il faut, il n'a pas la possibilité de juger le juif. Il est à la fois très, très différente pour le juif, de ce et puis ce qui se permet de juger les juifs et de les condamner à mort. Donc de ce fait, on ne peut pas les aider. Ok ? Dernière partie de la Mishnah. Aval, puisqu'on a parlé maintenant de construction, alors on va continuer encore sur d'autres constructions que cette fois-ci on a le droit de les aider à faire, qui sont Aval Bonim Imahem, Bimosayot. Bimosayot, c'est littéralement toutes sortes de Binyanim Shainam Lo le Tzorech Vodazara, il explique. Velolamit Ben Adam, toutes sortes de constructions, ça pourrait être ce que vous voulez. Le Tiferet Israël rapporte Théâtre, c'est marrant, il écrit en Yiddish, c'est très rigolo à voir. Comment on écrit en yiddish, il y a des règles, comment faire correspondre chaque lettre. Si c'est un « e », on met un « in », et des fois il faut mettre deux lettres, et ça sort des mots très bizarres. « Tet, he, ein, aleph, tet, ein, rech » pour dire « théâtre ». Théâtre. Donc un théâtre, toutes sortes de théâtre, ils font rien de mal là-dedans. Bien au contraire, qu'ils soient tous au théâtre et concentrés sur les matchs de foot, et au moins qu'ils ne fassent pas des problèmes à nous, qui nous laissent étudier la Torah tranquillement, qui nous laissent être bons juifs, sans nous agresser. Donc c'est parfait, on a le droit de les aider à construire donc des bimosiaot, et aussi des betmachetzot, c'est toutes sortes de bains, j'imagine que c'était des bains de qualité, de détente, où il y avait là-bas des hammams et des saunas. Et donc on peut les aider à construire, mais il y a quand même un petit problème, c'est que Higi ou la kippa, s'ils sont arrivés au toit qu'on appelle la kippa, parce qu'ils le construisaient sous forme d'arche, de, je sais pas comment dire, d'accord, on s'est compris, comme dans les mosquées, d'accord, le toit... L'arc. Alors, Igyo, là, qui passe, ils sont arrivés en haut pour la construction de l'arc. Shema Midin Bar, Avodazara. Ils avaient l'usage, malgré tout. Ils pouvaient rien construire sans mettre là-bas ensuite leur Avodazara. Dans la Mkhatzot. Alors, dans ce cas-là, sur Livnot, le juif devra s'arrêter de construire. Soit, il veut que je construise des bains, une piscine, un théâtre. Alors, je vais le construire, j'ai pas de problème. Moi, je peux construire, je suis maçon, genre, je vais le monter tout le minyan. Mais dès que je vais arriver là-bas, à la poubelle, ou justement là-bas, ça va être là où il va mettre sa avoda zara. Donc tout ce toit là, joliment fait, c'est une protection pour sa avoda, c'est pour sa avoda zara, c'est pour valoriser sa statue. De ce fait, moi je m'arrête de travailler, je lui dis, tu sais quoi, vas-y, tu prends un autre, tu prends sous-traitance, un autre employé goy, que lui fasse ce qu'il veut. Moi, je me retire, je construis pas cette partie-là, puisque moi, j'ai pas le droit de construire un bet avoda zara, j'ai pas le droit de construire tout lieu dans lequel on va valoriser la Vodazara. Donc le Merchat en soi-même, le bain ou le théâtre, c'est pas un lieu où on valorise la Vodazara, c'est un lieu où on se détend. Donc j'ai le droit de le faire. Même si finalement tu vas faire entrer ta Vodazara, il va faire entrer sa Vodazara là-bas. Mais malgré tout, lorsque j'arrive à l'endroit sensible où là-bas on va mettre, installer la Vodazara, alors là dans ce cas-là je dois me retirer. D'accord ? On a fini pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Tzlacha, Kol Tov, Salam.